Lady Pioche et plus tryhard sur Fortnite, c'est maintenant. 10ème position, on se retrouve directement avec la pioche faucheuse. Elle est de moins en moins jouée, mais c'est une pioche emblématique, donc je voulais la mettre dans la vidéo. 9ème position, on se retrouve directement avec la pioche clinquante. Énormément de joueurs pro l'avaient popularisée, donc tout le monde commençait à la jouer. 8ème position, on se retrouve directement avec la pioche omniscient. À l'époque, c'était un petit peu un renouveau en style de pioche, donc tout le monde l'a kiffé. 7ème position, on se retrouve directement avec la pioche H Léviathan. Elle était sortie durant le chapitre 2 de la saison 5 de Fortnite, et depuis, elle est plus jamais ressortie. 6ème position, on se retrouve directement avec la pioche griffe cramponneuse. Et tout le monde disait que la pioche était plus rapide que certaines pioches. C'est pas ma pioche préférée. 5ème position, je vous parle de la pioche bois 1 pour un prix de 500 V-Bucks. Tout le monde l'aimait car elle était pas chère et stylée. 4ème position, on se retrouve avec la pioche pelle à neige pour un prix de 500 V-Bucks. 3ème position, on se retrouve avec la pioche bat de Harlette pour un prix de 800 V-Bucks. 2ème position, on se retrouve directement avec la pioche sucre dent. Et cette pioche là est juste incroyable. Et pour la première position, je vous parle évidemment de la pioche baguette étoilée. Évidemment, cette pioche là, elle est très tryhard.